15 juin 1944. L'armée américaine envahit Saipan, située au nord de l'archipel des Mariannes. Les Marines s'accostent et s'établissent sur la côte sud-ouest dans le but de prendre le contrôle de toute l'île. Saipan est habitée par 20 000 Japonais qui considèrent cette île comme leur mère patrie. Elle est défendue par plus de 30 000 membres des forces impériales extrêmement bien entraînés. Et bien que stratégiquement l'un des bastions japonais les plus importants dans le Pacifique, les défenses de Saipan finissent par plier sous les assauts de la machine de guerre américaine forte de plus de 70 000 hommes. Dans la bataille qui s'ensuivit, la majorité des soldats japonais défendant l'île sont annihilés et les survivants fuient vers le mont Tapochao, situé dans le centre de l'île. Subit une défaite humiliante au large des îles Mariannes. Ne laissant au commandement impérial d'autre choix que d'abandonner la défense de Saipan. Les soldats, ignorants du fait, continuent cependant de se battre, convaincus de la victoire inévitable des forces de leur empereur sacré et de leur nation. Dégagez la route! Viens par ici! Par ici! Dégagez-moi votre engin! Libérez le passage! Désolé, capitaine, vous pouvez avancer. Allez, 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 dégagez-moi le chemin. Hé, hey, libère le passage. C'est plein de foutus de Jap. À ce rythme, le camp va déborder en un rien de temps. Encore quelques jours et ces faces de citron cachées dans la montagne ne seront plus que de l'histoire ancienne. Vous savez que leurs ordres sont de nous arrêter coûte que coûte. Les soldats japonais sont durs au mal, et ils ne renoncent jamais. Vous n'avez pas idée de ce dont vous parlez, caporal. Je vous conseille vivement de garder vos opinions pour vous. Bien, monsieur. Vous calmez, caporal, ou je prends la jeep et vous continuez à pied. C'est compris? Oui, monsieur. Est-ce que ça va? Quelle merde! J'aurais dû m'arrêter. C'est une sangle de jab, monsieur. Ça ira pour eux. Regarde attentivement le soleil, car à tout moment, il peut disparaître. Et ça veut dire quoi, monsieur? Que les Japonais accordent une importance vitale à chaque rencontre, car elle peut être la dernière. Soyez attentifs et vous sortirez plus intelligent de cette guerre. Où avez-vous appris leur jargon? Vous êtes sorti avec une Jap, un truc comme ça? J'ai étudié au Japon pendant 2 ans. Malheureusement, je n'y ai jamais eu de petite amie. Ça vous aurait pas déplu, hein? Gardez les yeux sur la route, monsieur. Oui, monsieur.
Toutes les unités, encore opérationnelles, doivent se diriger vers Matanza et une fois là-bas, ces unités rejoindront le commandement de la 43e division du général Saito pour préparer l'assaut final qui aura lieu dans 4 jours, le 7 juillet. Ça y est, c'est enfin l'assaut final. Nous allons finalement nous battre. Nous n'avons même pas encore vu l'ennemi depuis que nous sommes arrivés ici. Nous allons en Matanza. Tous les soldats désirant se battre devront s'y rendre par leurs propres moyens. Ceux qui sont incapables de marcher ne participeront pas à l'opération. Eh bien, ce sera tout, messieurs. Accroche-toi. Serre bien. Ça fait mal. Capitaine! Je voudrais rester à l'arrière. Je ne pense pas que je pourrais arriver à Matanza tout seul. Je vais rester et bien préparer les autres pour leur expédition. Je suis déçu. Je ne tirerai pas une seule balle sur l'ennemi. Vous êtes Lewis ? Oui, monsieur. Prenez place, capitaine. On n'est pas aussi formel, à part cette foutue chaleur. Merci, monsieur. J'ai entendu que vous parliez japonais. Les japonais seraient peut-être d'un autre avis. Je connais les bases, monsieur. D'où êtes-vous ? Boston, monsieur. Encore un mec des grandes écoles. On peut dire ça, oui. J'essaierai de ne pas vous en tenir rigueur. J'ai besoin de votre aide, Lewis. Je ne comprends pas, c'est Jap, ce Bushido, ce truc de suicide. C'est dingue. Eh bien, c'est un problème d'honneur. C'est une manière de penser qui a nourri leur culture depuis des siècles. Quoi, de se suicider ? Est-ce que vous connaissez ces objets ? Ce serait mentir. Qu'est-ce que c'est, une espèce de gris gris ? Non, monsieur. Ça vient du shogi, ce sont des pions. Les échecs japonais, si vous voulez. Les pions se ressemblent tous, à part leur inscription et leur taille. Et alors ? Eh bien, la seule chose qui différencie vos pièces des miennes, c'est la direction qu'elles ont sur l'échiquier. Allez au fait, capitaine. Oui, monsieur. Contrairement à nos échecs, si je capture une de vos pièces, je ne la mets pas de côté en attendant que vous me la réclamiez. Je la retourne simplement et l'utilise contre vous, comme un soldat de mon armée. Mais quel foutu rapport cela a avec leur satané suicide ? Le japonais accorde une valeur énorme à la loyauté envers son maître. S'il devait être capturé, on attend de lui qu'il se comporte et qu'il serve son nouveau maître, avec la même loyauté. Si c'est comme ça, pourquoi ne passe-t-il pas simplement de notre côté ? Eh bien, monsieur. S'ils étaient faits prisonniers, il y a une grande chance qu'ils puissent finir par trahir leur empereur. Alors ils choisissent de mourir.
plutôt que de prendre le risque que cela n'arrive. Voyez-vous, monsieur, les Japonais ont cette philosophie. Je ne suis pas venu ici pour jouer à ces foutus échecs. Si ces Japs veulent mourir, je serai ravi de les aider à le faire. De manière honorable ou pas. Je veux juste mettre un terme à cette satanée guerre. Suis-je bien clair? Très clair, monsieur. Mitsen. Elle est brûlante. C'est un peu d'eau. Daisy, vite ! Ils arrivent ! Vite, vite, tire ! Mais tire, bon sang ! Sergent, de la terre à l'entrée ! Nettoie-moi cette grotte, et à terre quand il la lance. Joyeux Noël, face de citron ! À couvert ! La grotte est dégagée ! Ok. Rentre-y et vérifie. Rentre là-dedans, je te dis. Vas-y, fouille-le. Vérifie ses poches. On n'a pas toute la journée. Tu cherches quoi, des souvenirs? Alors, qu'est-ce que t'as? Ah, j'en ai une. On bouge. Ouais, ouais. Je fais une collection. Montre-moi ça. J'en ai deux petites aussi, qui m'attendent à la maison. Eh bien, suis-moi. Je vais au QG de la marine pour obtenir des vivres. Mais vous pensez qu'ils partageront avec nous? Nous sommes de l'infanterie. Avec l'assaut imminent, je suis certain qu'ils seront d'accord. La marine ne se joindra pas à l'offensive. Nous continuerons de tenir nos positions. Et il nous faudra tenir, en attendant le retour de notre flotte. Nos cuirassés et destroyers sont en chemin. Qui êtes-vous? C'est un de mes soldats, mon général. La marine ne se joindra pas à l'offensive? Vous refusez de vous battre, mon général? Qu'avez-vous dit? Vito! Ce que tu viens d'entendre, garde-le pour toi. Mais capitaine, ce soir, j'ai l'intention de me sacrifier pour la gloire. La marine sont des lâches de ne pas se battre. Mon seul but est de remporter cette victoire, tu comprends? C'est aussi le mien, capitaine. Non, ce n'est pas vrai. Tout ce que tu veux, c'est juste mourir au combat. Ce n'est pas vrai. Si tu as envie de mourir, ça ne me dérange pas. Nous devons toujours être prêts à mourir. Mais notre devoir est de gagner. Tu vois, notre mission est d'anéantir l'ennemi et de conduire notre armée vers la victoire. Ne l'oublie jamais, tu m'as compris? À tous les officiers des forces impériales, ici, sur l'île de Saipan,
nous traversons la deuxième saison depuis l'invasion américaine. Toutes les unités actives, sur terre et sur mer ou dans les airs, doivent rester soudées, se coordonner et se battre courageusement. Bénis par les cieux, nous reprendrons l'avantage. Notre seul destin, mes camarades, est maintenant la mort. En tant que sujet de l'Empire, il est temps maintenant de nous offrir en sacrifice et de porter un coup décisif aux Américains en créant au moyen même de nos corps une barrière infranchissable dans le Pacifique. Ne nous avilissons pas à une vie de prisonnier et préférons la mort. Longue vie à Sa Majesté, notre empereur et maître. Le jour suivant, le suicide du général Saito et de ses quatre officiers, ce qui restait des forces terrestres japonaises, se rassembla sur la côte ouest de l'île, en vue de l'offensive finale contre les envahisseurs. Les Américains, cependant, ne se doutaient absolument pas de cette opération. Tenez-nous informés de manière régulière. Si on trouve quoi que ce soit là-bas qui puisse intéresser, je vous tiens au courant. Ok, mon grand. Reste en alerte. Entendu. Mikey, on y va. Bien, monsieur. Ah, elle me manque bien, ces petites poupées hawaïennes. Ah ouais, ces filles étaient douces. Intrusion ! Alpha Rouge, à vous, parlez Victor Bleu. Alpha Victor Rouge. Mike ! Ici Victor Bleu ! C'est le conseil qui foutu à toi, il suicide déjà ! On va essayer de... Appelle le capitaine, appelle le capitaine ! Capitaine ! Demande une frappe artillerie immédiate, aux coordonnées suivantes. 1-6-4 ITM, je répète. 1-6-4 ITM, envoyez un saut, soutien de position. À vous. Victor Bleu, répétez votre dernière transmission. À vous. Mikey, bouge-toi, on se replie vers la plage. Capitaine.
capitaine. C'est Gravias. Je crois qu'ils ont été débordés. Mais merde! Essayons de savoir ce qui se passe. En ce jour du 7 juillet, plus connu comme le jour de l'attaque Banzai, plus de 4000 Japonais et 2000 Américains perdirent la vie en l'espace de quelques heures. Deux jours plus tard, le commandement américain revendiquera la victoire militaire totale et définitive sur l'île de Saipan. T'as tellement envie de vivre, hein, dis-moi. Et qui es-tu donc ? Eh, on a un cadavre qui parle. Oryushi Kasamatsu. Première classe. Ici, près de Matanza, il y a un endroit que les Japonais nomment la Vallée de la Mort. C'est là que le général Saito,
ainsi que ses officiers, se donnèrent la mort devant leurs hommes. Et ils commirent ce suicide la nuit avant le déclenchement de l'attaque. La nuit d'avant ? C'est exact, monsieur. La nuit précédant l'attaque. Alors ils veulent mourir pour leur empereur. En tuant un max d'entre nous. Après ça, ils se suicident. La veille de leur foutue offensive. Mais ça n'a pas de sens ! Eh bien, en mourant de la sorte devant leurs hommes, ils leur indiquent simplement le chemin. Et ils montrent l'exemple. Continuez, sergent. Regardez cet endroit sur la carte. On appelle ces falaises les falaises Banzai. Car apparemment, les civils se précipitent sur les rochers dans la mer en contrebas. Des femmes, des enfants, des familles entières se donnent la mort, monsieur. Femmes et enfants ? Pourquoi ? Il semble que les Japonais leur aient dit que nous, les Américains, ne sommes qu'une bande de cannibales et de tortionnaires. Ils sont terrifiés, monsieur. Les Japonais ont perdu leur commandant et nous avons écrasé leur armée. Mes garçons, je vous le dis, la fin est proche. Et Dieu merci pour cela. Car cela doit cesser dès maintenant. C'est vrai, colonel. Mais je ne pense pas qu'on puisse être trop optimiste. C'est encore une situation instable. J'aimerais pouvoir essayer de les convaincre de se rendre, monsieur. Allez leur parler ! Ils n'ont déjà presque plus rien à manger. Et sans eau douce sur cette île, on peut dire qu'ils n'ont vraiment plus rien à perdre. Je refuse de perdre un seul homme sur cette montagne. Vous avez un mois, capitaine. Après ça, je les expédie tous en enfer. Merci, monsieur. Regardez, il y a de l'eau. Épargnez-nous votre sentimentalisme, capitaine. Vous pouvez aussi bien indiquer à l'ennemi notre position. Pourvu qu'il vienne. Au moins, cet enfant pourra vivre. Et pour ça, on doit mourir, hein ? Ça ne va pas. Nos vies ne nous appartiennent pas. Nous sommes là pour nous battre. On y va. «
Vous êtes complètement fou. Allez, on s'y met. Toi, couvre la barrière. Vérifie à l'arrière. Il vient d'où ce nom, Kalini ? Va là-bas, toi. Navarro, monsieur. Ça vient de Kaloeli. Vous deux, à la cabane, ça là-bas. Ça veut dire fauteur de troubles. On se déploie. Grand-père a baroudé toute sa vie autour du monde. Il a rencontré ma grand-mère à Cuba. Le début des galères. Je vous le fais pas dire. Ça te dérange pas si je t'appelle galère ? Tous les autres le font, capitaine. Les gars, vous voyez ça ? C'est certainement un piège ! Non, n'y allez pas, monsieur. Merci, sergent. Assurez-vous. Assurez-vous qu'on s'occupe bien de ce petit-là. Oui, monsieur. Vous le tenez ? Oui. Il a vos yeux, sergent. Tiens. Attention à ne pas le perdre en rentrant au campement. Et donne-lui un peu d'eau. Comment voulez-vous que je fasse ça ? Sers-toi de ton pouce, tu plonges dans ta gourde et tu le laisses bien téter, comme tu fais d'habitude. La ferme ! Vous voulez que les Japs nous repèrent ? Déployez-vous et sécurisez-moi cette zone. Bougez-vous le cul. Et vire-moi cette saleté de ton crâne. Oh, capitaine Oba! Content que tu sois en vie. Merci, capitaine Oba. Moi aussi. Sergent Kitani, du 135e régiment d'infanterie. Capitaine Oba. Sous le commandement du caporal Kitani, nous sommes dirigés vers le mont Tapochao. La jungle dans la montagne constitue une cachette idéale. Qu'en pensez-vous, capitaine? Sergent! Qu'est-ce que c'est? Regardez. Américains sont partout. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête ici, capitaine ? On va les intercepter ici. Mais il n'y a aucune garantie qu'ils empruntent ce passage. Ce passage est le seul qui mène au col du mont Tapochao. Appelle ça une intuition. C'est bon, on s'arrête 5 minutes. Quelqu'un a de l'eau ? Tiens, prends-en un peu. Soldat, combien de fois je vais devoir te rappeler les vertus d'une gestion économe de ton eau ?
Mais monsieur, elle était pleine ce matin. T'es un putain de bon à rien! Tu t'en passeras. Si je meurs par ta faute, je reviendrai pour toi et je te ferai la peau. C'est clair? Oui, monsieur. Allez, avance, pousse-toi. Par ici. Ces petits salopards de Bridé, ils nous prennent vraiment pour des cons ou quoi? Mais qu'est-ce que vous attendez maintenant? Allez! Ok, allons voir où ça mène. En avant. Allons-y. Allez, à toi. Allez, gardez vos distances. Silence. Sergent, je n'aime pas ça. Partons d'ici. Que tout le monde se replie. On nous attaque! Hé, par ici! Pas volonté! Repliez-vous! Cessez le feu! J'imagine que vous allez me dire encore que les Japonais ont planifié ça. En tout cas, monsieur, ils ont disparu! Occupez-vous des blessés! Il est mort, sergent. Prends ses plaques! Ce brouillard, faisait-il partie du plan? Pure coïncidence. Sors de là! S'il vous plaît, ne tirez pas. Qui es-tu? Je suis de Tapuchao. Mon nom est Oshiro. Combien êtes-vous à vivre ici? Je ne suis pas vraiment certain, mais je dirais 200. Enfin, environ. Quoi, 200? On a des vivres qui sont cachés. Et des médicaments aussi. Vous voyez cette infirmière là-bas? Elle sait où ils sont. Au camp américain, on nous aurait affamés et torturés. Et c'est pourquoi tant de civils ont atterri ici. Sous-lieutenant Kimbara, force spéciale de l'Empereur. Sous-lieutenant Nagata, police militaire du Pacifique. 135e régiment d'infanterie, capitaine Oba. Il vous reste des armes? Nous possédons un lance-grenade, une mitrailleuse légère, et également une vingtaine de fusils. Également, 5 fusils automatiques américains de type M1, 10 pistolets et aussi des munitions. Nous sommes prêts à nous battre dès que vous en donnerez l'ordre. Nous avons l'intention de résister à l'ennemi dans les montagnes, en attendant de contre-attaquer. Vous autres ici, restez auprès des civils et gardez le moral. Monsieur. Bonne chance, messieurs.
Capitaine, je ne comprends pas. Je croyais que vous étiez là pour nous protéger. Notre devoir en tant que soldat est de tuer autant de combattants américains que possible. Si je comprends bien, vous êtes trop occupé à sauver votre peau. Qu'as-tu dit ? Laisse. Le campement. On y retourne. Suivez-moi. Quel désastre. Essayez d'arrêter l'hémorragie. Je suis sans voix. Laissez-moi passer. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Comptez-moi les survivants et faites la liste des militaires et des civils. Oui, monsieur. Et toi, Kitani ? Recherche dans les environs un endroit pouvant abriter en sécurité 200 personnes. À vos ordres ! Nous sommes désormais 186, militaires et civils confondus. C'est beaucoup trop pour un seul site. Il est donc clair qu'on ne pourra conserver tout le monde au même endroit. C'est pourquoi le capitaine Oba a suggéré que nous nous séparions en trois groupes. Le premier groupe restera ici. Le second se déplacera à l'est, du mont Tapochao. Le troisième se rendra dans la zone qu'on appelle la vallée de Nibensen. Dépêchez-vous, la nuit tombe. Très bien. Nous ferons de notre mieux pour garder les familles et les amis ensemble. Tout le monde doit rejoindre les campements au plus vite. Monsieur Oshiro. Je sais que les regrets sont inutiles. Mais je comprends désormais quel est notre devoir. Nous devons protéger autant de vies civiles qu'il nous sera possible. Oh, vous faites ça si bien. Dans le civil, j'étais professeur de géographie. Est-ce que c'est là que nous sommes ? Ah, mais tu es très doué. Je sais où poussent des mangues. Parfait, mon petit. Ta sœur et toi, indiquez-moi l'endroit sur la carte. D'accord. Ah, montrez-moi l'endroit, moi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je meurs de faim. N'en parle pas. Ça ne fait qu'aggraver ta faim. T'as bouffé des escargots crus pour ton dîner ? T'aurais mieux fait de les faire bouillir d'abord. S'il vous plaît, acceptez de vous rendre. Ah, qu'est-ce que ça
génial. Arrête! Arrête de bouger! Arrête! Vous devez obéissance au capitaine Obar, car il est l'élu, et que par mon intermédiaire, il parle à Dieu. Et Dieu a décidé de le mener à la victoire pour la plus grande gloire de l'empereur voilà qu'il et recommence. Du Japon. Ça Dieu suffit. Nous a envoyé le capitaine Obar. Dieu a parlé, bougez, il vous aime vraiment vous. Beaucoup. Et il vous protégera jusqu'à votre victoire. Silence! Capitaine Obar, capitaine Obar, capitaine Obar. Ça suffit! C'était un prêtre shintoïste. Il est venu ici et il a perdu l'esprit. À toi, essaye. Bam! Bam, bam, bam! Ah oh non! Non, plus haut! Contre ton épaule, là, et tes genoux, on dirait un pigeon. Quel beau brin de fille. Viens, redresse tes Arrêtez. Genoux, là. Oh, Yoshi, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas de ça près du campement. On reprend. Jouer avec les armes. Tu vises en alignant ce point avec celui-là. Oh no, mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu te tiens toujours comme un pigeon. Redresse tes genoux. Ah oh mais grand Dieu! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es folle! Merci, monsieur Haruyoshi. J'aimerais essayer une autre fois. Excusez-moi, mademoiselle. Votre prénom, c'est bien Chico, je ne me trompe pas. Vous devez arrêter de vous faire appeler Aono, comme si vous étiez un homme. Aono me va très bien. Mon prénom, c'était uniquement pour ceux qui m'aimaient. Et maintenant, il n'en reste plus un seul. Désire simplement tuer des Américains. Au fait, vos enfants, ils ont quel âge, mon capitaine, hein? Eh bien, la plus âgée a à peu près l'âge d'Akira. Oh. Vous savez, je ne connais vraiment pas grand-chose aux enfants. J'ai toujours été très occupée à soigner ma mère malade. Quand je vois des enfants comme eux qui n'ont plus leurs parents, je suis inquiet. Je m'inquiète aussi. Mais à votre sujet, mon capitaine. Est-ce que vous m'autoriserez à prendre soin de vous, je vous en prie? S'il vous plaît, réfléchissez-y. On a de la nourriture pour encore combien de temps? Ne perds pas ton temps avec ça. Bien, monsieur. Ces bâtards ont trouvé le campement. Ils vont revenir. Et pas plus tard que demain. Croyez-moi. Je veux qu'on reloge.
les soldats et les civils, dans les deux autres campements d'ici l'aube. Mais que va-t-on faire avec nos vivres ? Sauvez ce que vous pouvez, et abandonnez tout le reste sur place. C'est rageant de devoir nous enfuir de notre campement sans même pouvoir nous battre. C'est encore loin ? C'est ici, au pied de la montagne. C'est là que j'ai repéré le campement. Du nouveau de Terrier Zoulou ? Aucun signe de vie au dernier rapport. Les Japs ont dû grimper et passer la crête. Et qu'en est-il de l'autre côté de ces montagnes ? Peut-il seulement atteindre le col du Kuala ? Une chose est sûre, il va laisser la trace de son passage. Faut espérer. C'est bon, maintenant en route. Il savait qu'on allait arriver. Hé, hey, de l'eau. Attendez, il n'y a pas d'eau douce sur cette île. Oh mon Dieu. Jésus. Comment ça va, Pal? D'abord, il disparaît dans la brume. Puis il nous appâte avec de l'eau. Et on sait même pas la tête qu'il a. C'est un putain de renard, capitaine! Sergent, sergent, calmez-vous. Économisez vos forces. En paix. Garde à vous. Soldat, j'ai un problème. Et vous pouvez être sûr que quand moi j'ai un problème, alors vous, vous en avez un. Je viens juste de me faire remonter les bretelles par Washington. Les grosses villes se demandent pourquoi la marine parle d'activité ennemie sur Saipan. Une île que j'avais pourtant déjà déclarée sécurisée il y a plus de 4 mois. Alors cette fois, j'aimerais vraiment les informer dans un avenir sacrément proche que toute activité ennemie a disparu sur cette île. Messieurs, c'est notre heure. Il est temps pour nous de nettoyer cette foutue montagne de tous les Japs qui continuent de s'y planquer. Et de plus, j'entends des espèces de balivernes à propos d'un officier japonais qui se croit plus malin que nous. Un renard, monsieur. Répétez. Certains disent qu'il est rusé comme un renard, monsieur. Il y en a qui disent qu'il est rusé comme un renard. Foutaise! Complète et absolue foutaise! Et même s'il y a un gars dans cette montagne qui pense mener le bal, eh bien on l'aura. On lui fera la peau. On lui fera la peau au moins d'une semaine. Ça, messieurs, je vous le promets. Le périmètre de nos ennemis se limite à 6 km de long et 4 de large, tout autour de la rivière. Allez, allez, ces quelques 200 soldats Japs sont coincés dans cette nasse. Et je sais que je peux compter sur vous pour qu'ils soient tous éliminés jusqu'au dernier d'entre eux. Avec une division entière, nous allons ratisser cette putain d'île.
Je veux une ligne de 4 km formée d'hommes au coude à coude. Et je parle pas que des Japs. Je veux qu'on me déloge tout ce qui bouge ou qui vit sur cette île. Je veux ces Japs morts ou vifs. Bonne chance, monsieur. Une longue colonne de Yankees. Elle se dirige droit sur nous. Les civils sont inquiets et deviennent indisciplinés. Ils sont devenus un poids trop important. Livrons-les aux Américains. Hors de question, ils pourraient être tués. La face est du mont Tapochao est composée principalement de précipices. Il y a beaucoup de corniches dans la roche, à mi-hauteur de ce versant. Avec la jungle qui nous couvre, nous serons invisibles depuis le ciel. Les mauvaises conditions de marche ne devraient pas leur permettre de lever la tête. C'est ce sur quoi nous devons compter. Vous pouvez y arriver. Allez, maman, s'il te plaît. Doucement. Un petit effort. Quel est le problème? Madame Okuno n'y arrive pas. Oh, ma mère a été souffrante. Elle ne pourra pas grimper aussi haut dans la montagne après être restée immobile si longtemps, vous voyez? En fait, nous ne ferons que vous retarder. Vous comprenez? Quelque chose en bas? Ok, on y va. Gardez les yeux ouverts, les gars. Faites gaffe. Avancez. On y va. En avant, tous après moi! On va le tuer, ces Américains! Allez, suivez, continuez! Attention! Touchez-vous! Ah.
rapprocher. Déployez-vous sur la place. Feu à volonté. Examinons la situation, capitaine. Qu'avons-nous obtenu? Avec une entière division, on s'est fait 6 civils morts de peur, 3 combattants japonais et perdu 11 de nos meilleurs marines. On a échoué. Nous les avons sous-estimés, monsieur. On les a sous-estimés? On les a même pas trouvés, bordel de merde! Qui est donc ce satané renard, Lewis? C'est quoi son putain de nom? C'est une sorte de magicien? C'est qui? Harry Houdini? Il est certainement responsable de ces pièges. Et c'est probablement lui qui a indiqué l'emplacement du bébé, colonel. C'est un homme intelligent. Intelligent, mon cul? Que croyez-vous que les huiles vont nous dire? Qu'on a merdé? C'est ça qu'ils vont nous dire. Et ils auront raison. Foutez le camp de mon putain de bureau! La vie militaire n'est pas faite pour moi. Deux petites camelles et baguettes en étain. Je suis même pas mort et tout ce que j'ai à bouffer, c'est un petit bol de riz comme si c'était une putain d'offrande. Ne pensez même pas venir m'aider. Je vais faire ça tout seul. Tout seul comme un grand. Je vais me farcir une centaine de ricains. J'en suis déjà 31. Au rythme de 10 par semaine. Dans une semaine, je suis bon. Je n'ai pas besoin de ton aide. Moi aussi. Je vais tuer ces bâtards. Excusez-moi, j'ai appris que vous aviez une femme qui connaît peut-être le renard. Un renard? Quel renard? Tous les civils ont été ramenés de la montagne. Il n'y a que des civils ici, capitaine. Mais où sont tous les civils qui se trouvaient dans la montagne? Dans la montagne? Ah, vous voulez parler d'Haruko? Haruko? Capitaine, attendez, vous ne pouvez pas entrer là. Êtes-vous Haruko? En fait, c'est moi, Haruko. Oh, pardonnez-moi. Je vous en prie. J'aimerais vous poser des questions à propos du renard. Vous avez dit du renard? Sur le mont Tapocho, le commandant qui se trouvait là-bas. Je veux bien sûr parler de l'homme qui vous a guidé. Il a indiqué l'emplacement d'un bébé pour que nous le trouvions. Il l'a sauvé. Cet homme qui était avec vous doit être un grand chef. Je connais bien l'homme auquel vous venez de faire allusion. L'homme que vous craignez tant et que vous appelez le renard, je le connais très bien. Oba, il s'appelle. Oba? Oba Sakae, notre capitaine. Oba Sakae. Mon grand. Merci, monsieur. Je ne comprends toujours pas ces Jap. Capitaine Sakae Oba, 18e régiment impérial d'infanterie. Le renard. C'est son nom, colonel. Enfin un fait. Prenez soin de vous. Bonne chance, monsieur. Quand vous mettrez la main sur cet Oba, dites-lui un truc de ma part. Oui, monsieur. Quoi donc, monsieur? Dites-lui donc que c'est un sacré fils de pute. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Garde à vous!
précis. Conduisez-moi à l'avion. Bien, monsieur. Rompez. Hey, passe-moi la balle. Passe-moi la balle. La première chose que j'ai faite quand j'ai appris que j'étais assigné à Saipan a été de m'acheter une canne à pêche. Je m'en servirai peut-être jamais, mais au moins, je l'ai. Eh bien, j'espère que le jour où nous irons tous pêcher viendra plus tôt que prévu, monsieur. Moi aussi, capitaine. Moi aussi. Dehors de vous ! C'est un secret pour personne que vous connaissez cet endroit mieux que moi. J'aimerais avoir votre point de vue. Dites-moi ce que vous savez. Eh bien, monsieur, nous avons suivi les directives de la cellule de guerre psychologique dans le but de les amener à capituler. On a eu quelques résultats avec des combattants isolés, mais pas avec le groupe le plus important que nous pensons toujours caché dans les montagnes. Asseyez-vous. Que feriez-vous différemment ? Eh bien, monsieur, j'aimerais bien qu'on continue avec ce genre d'imprimés, mais je souhaiterais qu'on les rédige nous-mêmes, pour qu'ils soient spécifiquement adaptés à la situation dans l'île. Et nous devons arrêter d'utiliser le terme « capitulation ». Les Japonais sont un peuple très fier et ils ne capituleront pas. J'en suis conscient, capitaine. Continuez. Nous devons absolument leur donner les moyens de s'en sortir la tête haute, monsieur. Peut-être en leur demandant de cesser la résistance plutôt que de capituler. Très bien, capitaine. Pour l'instant, poursuivez dans cette direction. Mais soyez conscient que nous sommes pris par le temps, donc tenez-moi informé. Ce sera tout. Rompez. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Mmh. Capitaine. Vous semblez assez bien comprendre cette culture. Qu'est-ce qui est au cœur de cet engagement absolu que les Japonais ont de ne pas se rendre ? Avez-vous déjà vu ceci, monsieur ? Je veux sauver la vie de tous ces Japonais qui sont dans les montagnes. Il n'y aura plus jamais de mort. Il faut rédiger un imprimé leur demandant de rentrer. Nous devons tous ensemble impérativement faire cesser les combats. Je vous en conjure, quelqu'un ne va-t-il pas m'aider ? Chacun d'entre nous. Par la faute des Américains, avons perdu des êtres qui nous sont chers, dont des membres de nos familles. Moi, j'ai perdu, par votre faute, mes deux enfants. Je ne peux pas vous aider. Capitaine, je ne veux pas que le Japon ou l'Amérique s'engagent davantage dans cette guerre inutile. Laissez-moi vous aider, capitaine. Vraiment ? Vous le pensez vraiment ? Oui. Ne les ramassez pas! C'est un piège! Laissez-les! Qu'est-ce que c'est? Je n'y crois pas. Bito, est-ce une photo de Tokyo? Bito, tu habitais bien à Tokyo? Je ne peux pas vraiment l'affirmer, mais ça ressemble à Ginza. Tokyo transformé en ruine?
Monsieur Oshiro. Oui. Ah, au sujet de cette photo, elle est troublante en effet. Je cherche une personne de confiance. Un japonais qui soit dans le campement américain. Je suis Oba. Moi, c'est Baba. Par ici. L'autre jour, des imprimés ont été largués sur le mont Tapuchao. La photo sur le tract. C'est un montage, n'est-ce pas ? J'ai aidé à réaliser ces imprimés. Il y avait beaucoup d'autres photos. Des photos de champs brûlés et des villes détruites. Des images de notre patrie en ruine. Entendez leur appel et rendez-vous. Avec le nouveau commandant et son attitude plus conciliante, c'est peut-être le moment ou jamais. C'est hors de question. Nous n'avons absolument aucune intention de nous rendre. S'il vous plaît, reconsidérez votre décision. Les gens racontent que chaque jour, des avions américains chargés d'effroyables bombes décollent de cette île. Capitaine Oba. Puis-je me permettre de vous demander quelque chose ? Parmi les civils là-haut, avez-vous vu Akira et Emiko, un petit garçon et sa sœur ? Oui. C'est merveilleux. Merveilleux. Ce sont mes enfants. Mes enfants! Nous avons été séparés dans notre fuite et je ne les ai plus revus. Je vous en prie, prenez soin d'eux. Capitaine, puis-je prendre de votre temps? C'est là, on y est. Vous ne voulez pas le voir avant de partir d'ici ? Tu as survécu alors ? Regardez partout. Rien par ici. Vérifiez les fenêtres. Personne par ici. Vous avez quelque chose ?
Koba faisait dans le campement. Il est venu pour rassembler des informations. Il essayait de vérifier pour Tokyo. Et ? Je lui ai dit que les photos étaient vraies. Il était effondré. Colonel, je crois que nous devrions essayer de faire quelque chose de plus agressif pour les pousser à se rendre. Par exemple ? Nous devrions leur promettre vivre et médicaments. Et quand ils viennent, on leur tend un piège et on les capture. Non, absolument pas. Ce serait ni très honorable, ni très efficace. Si on fait ça, les autres restés dans les montagnes ne se rendront jamais. Colonel, la trahison n'est pas une solution. J'irai les voir, s'il te plaît. Dis au colonel que j'irai dans la montagne pour essayer de convaincre le capitaine Oba de se rendre. Monsieur Baba a dit qu'il voudrait aller dans la montagne et tenter de les convaincre de descendre. Eh bien, monsieur Baba, si un notable japonais tel que vous peut les convaincre de descendre, je serais heureux de vous laisser essayer. Peut-être que cette affaire doit se régler entre japonais, finalement. À ce stade, nous n'avons plus rien à perdre. Vous avez sa permission. Merci beaucoup, colonel. Capitaine, vous avez mon autorisation pour tout entreprendre afin de résoudre cette situation pacifiquement. Assurez-vous également que M. Matoki, ici présent, reçoive tout ce dont il a besoin. Monsieur Ito ? Monsieur Ito ! On n'a plus ni pansement ni médicaments. D'après vous, qu'est-ce que je suis censée faire, moi ? Écoutez bien, madame. Nous sommes tout à fait conscients de la situation. Non, c'est pas vrai, vous n'avez aucune idée ! Imaginez combien de personnes j'aurais pu sauver si seulement j'avais eu les bons instruments et si j'avais eu les bons produits ! Mais qu'est-ce que vous croyez ? Moi aussi, j'ai perdu beaucoup de... Ça suffit ! Tous les deux. Monsieur Oba, vous approvisionnez à l'hôpital de la base, n'est-ce pas ? Je sais exactement quels sont les médicaments qu'il me faut. Laissez-moi venir avec vous, s'il vous plaît. Non. Nous nous en occuperons nous-mêmes. Capitaine Oba. Continue à marcher. Ne traîne pas des pieds. Marche comme un homme. Celui-là, c'est un pion des Américains. Monsieur Baba, et que faites-vous ici ? Je suis venu vous demander de vous rendre. Et tu crois qu'on accepterait ? Allez, bouge-toi ! Raconte-nous ce que tu sais ! Arrêtez-vous ! Va en enfer ! Ce sont les Américains qui vous ont demandé de venir ? Emiko et Akira, comment vont-ils ? Tu as osé laisser l'ennemi tapater avec tes enfants. Et tu es venu nous espionner. Je veux mes enfants ! Je veux les ramener avec moi ! Qu'y a-t-il de mal à ça ? T'es venu à ce traître ! Ton pays, le Japon, ne t'importe donc pas ? C'est un petit peu tard pour pleurer, non ? T'avais qu'à rester avec eux plutôt que de penser à sauver ta peau. Va-t'en. Monsieur Oba, je vous mets en garde. Si quoi que ce soit devait arriver à mes enfants, je vous tuerai. Quoi ? Que veux-tu, Aono ? Quoi ? Tu veux me donner du bon temps, c'est ça ? Parce que moi, je suis partant, hein ?
Quoi? J'ai quelque chose à vous demander. Je t'écoute. Attendez, dehors. Je vous appellerai. Si jamais il veut bien vous rencontrer. D'accord. Mais si, et seulement si il accepte. Je ne veux pas qu'il croie qu'on essaie de le piéger. Bien sûr, capitaine. Vous inquiétez pas. On restera à l'écart. Merci. Merci. Ça va nous aider. Monsieur Oba, n'y a-t-il aucune chance que vous reconsidériez ? Ça suffit. Nous nous battrons jusqu'à la fin. En réalité, le capitaine américain voudrait vous rencontrer.
Capitaine, vous allez bien ? Ne m'inquiétez pas pour moi. On a été trahis. Et le pire, par un japonais. Oriyoshi est mort. Et Aono est probablement perdue elle aussi. Vous n'allez pas les livrer, n'est-ce pas, capitaine ? Je vous en prie, ne livrez pas la population civile à l'ennemi. Vous savez comme moi qu'ils seront tous tués. Écoute, Kitani. Avec nos vivres et nos médicaments épuisés, je ne peux plus garantir ni leur sécurité ni leur survie. J'ai décidé qu'au moins les civils devraient rejoindre le camp américain. C'est un ordre. Monsieur, si votre ordre est de remettre les civils à l'ennemi et de les envoyer tous à une mort certaine, je n'obéirai pas. Mes amis, j'ai bon espoir que vous tous foulerez à nouveau le sol japonais. Quand ce jour arrivera enfin, je vous demande de vous rappeler parfois des jours passés au mont Tapochao. Et aussi de nous autres soldats avec qui vous aurez vécu ces jours. Ainsi, nous pourrons nous aussi rentrer au pays. Ne serait-ce que dans vos souvenirs. Monsieur Oshiro, je les remets entre vos mains. En toute honnêteté, votre décision m'a vraiment soulagé. Allez-y.
Moi, Hirohito, empereur du Japon, m'adresse à vous, soldats et citoyens japonais, afin de vous informer de la reddition de notre nation. L'annonce par l'empereur Hirohito de la reddition inconditionnelle du Japon fut enregistrée et diffusée plus tard à ses loyaux sujets, ici aussi, au camp Susubé. C'est impossible! C'est une conspiration de l'ennemi! Je me demandais bien, pourquoi on ne voyait plus d'avions de surveillance? Ils les ont sûrement retenus pour nous pousser à croire à ces mensonges! Ikegami. On m'a dit que tu avais retrouvé tes esprits. Alors, comment te sens-tu? Capitaine Oba, je suis désolé pour tous les problèmes que j'ai posés à tout le monde. Tu avais dit que je vous mènerais à la victoire. Alors? Ça va arriver? Combien de temps encore? Je ne me souviens plus de rien. J'ai vraiment eu tort de te croire. Je reviens de la base. Comparé à avant, la sécurité est vraiment beaucoup plus légère. Aller et venir a été facile. Qu'as-tu appris ? En plus, suite au lavage de cerveau des Américains, la majorité, ou presque, des Japonais croient désormais à une terrible histoire. Le 6 août dernier, à Hiroshima, puis le 9 août, à Nagasaki. Une nouvelle arme aurait été déployée. Les deux villes détruites en un instant. Avec un nombre de morts absolument inimaginable. En plus, Sa Majesté impériale aurait apparemment décrété la fin de la guerre. Alors le Japon aurait été vaincu. Nous devons résister. On ne veut pas abandonner. Donnez-nous l'ordre d'attaquer, monsieur. Même en sachant que le Japon avait totalement capitulé, ni Oba ni ses hommes n'étaient disposés à redescendre de la montagne.
Vous vouliez me voir, colonel? Oui, entrez, capitaine. Selon un message parvenu du camp japonais, Oba dit qu'il désire une rencontre. Oba a dit ça? A-t-il accepté de se rendre? Non. Il voudrait rencontrer un représentant des forces armées américaines. Le capitaine Oba n'est rien que pour le moins consistant. Il veut que même la fin se déroule selon ses plans. J'aimerais que ce soit moi qui le rencontre, si vous me le permettez, monsieur. Vous avez ma permission. Merci, monsieur. Vous l'admirez, n'est-ce pas, capitaine? Oui, monsieur. Et où donc as-tu appris l'anglais? À Singapour, à cause de la guerre. Tu parles bien l'anglais? Merci. Tu as une petite amie américaine? Non. Regardez la route! C'est ici, arrêtez! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous autres, attendez ici. Que fais-tu ici? À propos de l'autre nuit. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Le capitaine Lewis, qui est ici à côté de moi, parle très bien japonais et désire s'entretenir avec vous. Capitaine Oba, je présume. C'est un véritable honneur de vous rencontrer. J'ai vécu pendant 2 années au Japon. J'aimais Usaemon du théâtre Kabuki. Il est décédé. Je suppose que vous le savez. La guerre à présent finie, je pense qu'il aurait pu sûrement remonter sur scène. C'est vraiment une perte immense, quel dommage. Vous et tous vos hommes, vous vous êtes bravement battus. Mais la guerre est désormais terminée. Nous ne sommes plus vos ennemis. Nous n'avons plus aucune raison de nous affronter. Monsieur Oba, retournons ensemble au Japon. Il n'est pas question pour nous de nous rendre. Nous n'avons donc aucune intention de redescendre, vous me comprenez. Cependant, pour nous, soldats de l'Empire, les ordres du commandement sont sacrés. Si nous devions recevoir un tel ordre, il est clair que nous y obéirions. Est-ce vrai? Attendez! Ne tirez pas! Danny. Ça, c'était pour mes frères. Que ce soit bien clair, jamais je ne me rendrai.
Capitaine Oba, est-ce que c'est vous qui avez ordonné ceci? Est-ce qu'il suivait vos ordres? Mademoiselle Okuno. Oui. Il semblerait que le capitaine ait décidé de redescendre de la montagne. Vraiment, vous êtes sûr? Je me demande s'il y a quelque chose que nous pourrions faire pour eux. Ah. Va-t-on revoir le capitaine? Mais ces uniformes sont pour tous les soldats. Capitaine, vous m'avez appelé ? Rassemblez immédiatement tous les soldats. Des ordres sont arrivés du général Amou, en poste sur l'île de Pagan. Oui, monsieur. Et Kitani, des nouvelles ? Pas encore. En tant qu'officier le plus haut gradé au poste de commandement, mais compte tenu des présentes conditions, je vous ordonne de vous présenter à l'amiral Francis Whiting, représentant désigné de la marine américaine, commandant des îles Mariannes, et de présenter votre reddition inconditionnelle. Le commandant de l'île de Pagan, major général Huma Ashiamu, de l'armée impériale. Je suis fier. Fier d'avoir combattu à vos côtés. Vraiment très fier. Vous tous ici. Vous avez fait bien plus que votre devoir. Il n'y a rien dont vous devriez avoir honte. Alors marchons avec fierté. Et redescendons. Regarder vers le futur et vivre pour demain sera notre seul devoir.
aux âmes de nos frères tombés. Et avec nos condoléances, nous dédions ce salut. Armée ! Position en joue !
le 1er décembre 1945, au pied du mont Tapochao, sur l'île de Saipan, après 512 jours de combat. La guerre finit, enfin, pour le capitaine Sakae Oba et son armée de 47 hommes. Saviez-vous, capitaine Oba, que parmi tous nos hommes ici, votre surnom, c'était le renard? Et pourquoi? C'est parce que vous nous avez vraiment fait tourner en bourrique avec tous vos stratagèmes. Je n'ai élaboré aucun stratagème. En fait, je me suis juste battu de mon mieux. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Capitaine Oba, vous êtes exactement comme je vous avais imaginé. Pendant un an et demi, dans les montagnes, vous avez conduit vos soldats avec brio et fierté. Vous pouvez être fier de ce que vous avez réalisé avec vos hommes là-haut. Vous avez sauvé plus de 200 vies. Peut-être, mais je suis responsable de la perte de bien plus de vies que ça. Je n'ai absolument rien accompli dans ces montagnes pour mériter votre respect. Aono. Laissez-moi le prendre. Vous vous imaginez, il ignore tout de notre patrie. Alors je lui montrerai.